Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, bonjour à vous jeunes qui nous suivez de partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Vous êtes bel et bien sur la meilleure des télévisions catholiques, Ecclesia TV. Jeunes et cathos, on se retrouve amis jeunes pour parler d'un nouveau thème. Le thème aujourd'hui pour en débattre est l'abstinence chez les jeunes avant le mariage. Nous allons parler, et oui amis jeunes, de sexualité. Pour en parler sur ce plateau, nous avons Drama Nathalie, présidente de l'Association des femmes catholiques AFEC de la paroisse de Saint-Bénadette de Macoré-Est. Elle est à ma gauche. Bonjour, présidente. Bonjour, monsieur Morel Poti. Comment allez-vous, présidente? Je vais bien. C'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Je suis ravie également. À sa gauche, nous avons Mireille Sama, membre du renouveau charismatique de la paroisse Saint-André de Yopougon. Bonjour. Bonjour, monsieur Morel Poti. Vous allez bien? Très bien, merci. À ma droite, Désiré Nguesson, membre du cœur du renouveau charismatique de la paroisse Sainte-Thérèse de Macoré-Est. Bonjour Désiré. Bonjour monsieur Morel Poti. À votre droite, nous avons Nadia Sombo, membre également du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Virdicité. C'est cela. Bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour monsieur Poti, merci. Alors mademoiselle, le thème c'est l'abstinence chez les jeunes avant le mariage. Tout de suite. Comment peut-on définir l'abstinence? Présidente. Bon, moi, pour moi, l'abstinence, ça, c'est maîtriser ses sens. C'est maîtriser ses sens. D'accord. En un mot, c'est maîtriser sa sexualité. Sa sexualité. Voilà. Mireille Sama, vous pouvez ajouter quelque chose? Oui, pour moi, je pars dans le sens de la présidente. Pour moi, l'abstinence, c'est aussi se préserver de tout rapport sexuel avant le mariage. Alors, Miss Sombo, vous abordez dans le même sens que les deux oui, autres. Oui, je voudrais dire que l'abstinence, déjà, c'est se priver de quelque chose. D'accord. L'abstinence, tout court, c'est se priver de quelque chose. Maintenant, quand on parle d'abstinence sexuelle, c'est la privation du sexe, en fait. D'accord. Se priver de rapports sexuels. Alors, Désiré. Bon, moi, c'est un peu ça aussi que, en fait, l'abstinence pour moi, l'abstinence sexuelle, c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui est abstrait au sexe. D'accord. Voilà. Mais, Miss Sombo, est-ce que ce n'est pas quand même... avoir des rapports, ce n'est pas prouver à son mec, à son homme, son attachement qu'est-ce que ah, c'est tout à fait normal. Normalement, tu es avec quelqu'un, il faut lui donner, voilà, il faut avoir des rapports. Il faut lui donner quoi? Le oui. Quel oui? Donc, tout de suite, je suis avec quelqu'un. Il faut que je partage sa vie sexuellement parlant. Oui, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on trouve normal. C'est ce que le monde approuve. D'accord. Voilà. Présente, vous voulez ajouter quelque chose assez rapidement? Bon, donc, moi, j'ai quelqu'un. Tout de suite, j'ai ma petite go, voilà, en chemine un tout petit peu. Et puis, voilà, il faut que je goûte à la chose. Pas forcément. Il faut se connaître d'abord. D'accord. Il faut savoir avec qui on va, avec qui on marche. Il faut connaître la personne. En fait, c'est un cheminement. Un cheminement? Voilà. Mais c'est toujours le cas, ce cheminement-là. Bon, je pense qu'avec l'appui de Dieu, on peut véritablement arriver à cela. Alors, Désiré, vous, je suppose que c'est l'étape contraire. Comment j'ai ma petite amie, comment se déroule généralement, selon votre expérience, cette relation-là? D'abord, merci. Bon, me concernant... c'est pas... Ah, forcément vous, hein? Vous pouvez prendre un exemple. Non, je prends un exemple. C'est pas forcément... Quand on est avec une personne, c'est pas... Pour prouver son amour, c'est pas forcément aller au sexe ou bien se donner à la personne. Mais moi, je te dis, tu es ma petite amie, tu es ma gauche, je te dis, mais écoute, pour prouver ton amour vis-à-vis de moi, moi, j'ai envie que nous puissions quand même coucher ensemble, voilà. Voilà, moi aussi je pourrais te dire que si tu m'aimes vraiment, tu peux attendre jusqu'au mariage. Maintenant, ça dépend. Avec le temps, tu rends visite à la personne, surtout si la personne a un chez lui, tu rends une visite à la personne. Mais c'est dangereux également de rendre visite parce que tu as fini par rentrer dans ma chambre là. Voilà, c'est avec cela que ça peut se passer. Sinon, si vous voyez en dehors d'un quatre murs, vous êtes toujours, vos rencontres ne sont pas toujours au dehors. Dans les restaurants, bon, à la plage, pas forcément. Donc dans les... moi, tu es ma petite amie, on se voit au dehors, dans les restaurants seulement. Bon, non. Si tu veux. Moi, je veux intervenir. Oui, Mireille, allez-y, c'est Jeune et Kiato, vous suivez, chers amis téléspectateurs, Jeune et Kiato, nous débattons de l'abstinence chez les jeunes
avant le mariage. Mireille Sama. D'accord, merci. Pour ma part, je pense que les rapports sexuels dans une relation, ça doit être secondaire. Comme l'a dit la présidente, il faut apprendre à se connaître. C'est pas forcément ce que la présidente dit que c'est la vérité. Non, hein. En fait, c'est plus que c'est elle qui l'a dit, donc je suis. D'accord, voilà, je dis. Okay. Voilà, tout à fait. Il faut apprendre à se connaître d'abord. D'accord. Vous pouvez être dans une relation et aller au sexe tout de suite sans envisager le mariage. D'accord. Or, lorsque nous sommes dans une relation, c'est pour. C'est pour un futur. D'accord. C'est pour aller plus loin dans la relation. Et donc, le sexe doit venir après, c'est-à-dire ça doit être secondaire. Imagine-toi, tu rencontres une personne aujourd'hui et tu imposes, toi, ton désir, c'est d'aller au sexe avec cette personne-là. Mais tu ne connais pas la personne en tant que telle. Or, si, par exemple, tu rencontres une personne, tu apprends à connaître cette personne-là, vous pouvez être entre quatre murs, comme l'a dit l'autre, sans avoir de rapport sexuel. Et les rapports sexuels se décident d'un commun accord. D'accord. On peut décider de s'abstenir, c'est-à-dire de rester sans rapport sexuel, être dans la même pièce, vivre ensemble sans rapport sexuel, parce qu'on a décidé de mieux se connaître, parce qu'on envisage mieux pour demain. Donc, si je comprends bien, toi, tu vas rester dans la même chambre avec moi. Et on a décidé de se connaître là, on va mieux s'apprécier jusqu'à ce que le mariage arrive. Oui, si tu as ta maison, tu as chez toi. Oui, monsieur Potier, vous avez votre maison, vous avez chez vous, comme elle a dit. Mm-hmm. Moi, je viens vous rendre visite. Vous avez voulu que moi, par exemple, vous m'avez demandé d'être votre petite amie, vous voulez qu'on ait ma une relation. Épouse, voilà. Tout à fait. Moi, je viens chez vous peut-être pour faire le ménage, pour prendre soin de vous, pas pour le sexe. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. D'accord. Parce que je vous rends visite fréquemment. Et vous apprenez en même temps à me connaître. Moi, à partir de là, je sais un peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais pour le sexe, c'est une décision, c'est d'un commun accord. On décide d'aller au sexe ou d'aller au sexe. D'accord, Mireille, on vous a bien compris. D'aller son bon, il faut tester d'abord le produit avant. C'est voilà. Cela, il faut tester le produit. On est en jeu, il ne faut pas qu'on se mente. Déjà, même quand le gars vient, il te drague. Toi-même, tu sais que vous n'allez pas arriver loin, vous allez passer à l'acte. Il ne faut pas qu'on se mente. Ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité, mais ça, c'est pour quand tu es vraiment, tu es ancré, ou on peut dire en crise ou bien. Sinon, déjà, quand vous êtes ensemble, là, ça ne va pas durer, vous allez passer à l'acte. D'accord. On est ensemble, c'est pour ça, donc, en fait. Vu la réaction de Nadège, si tu sais que tu veux m'étudier ou tu ne vas pas passer à l'acte, puisque moi, j'ai très envie de vous, mais pourquoi un jeune voudrait tout de suite avoir une petite amie ou un petit ami? Pourquoi, dans ce cas? Moi, je pense que quand c'est une relation sérieuse, on ne peut pas passer véritablement à l'acte. On ne peut pas passer à l'acte tout de suite parce que c'est une marche de longue haleine pour aboutir à quelque chose. Mais quand... C'est tout de suite. Tout de suite. Il y a des femmes, il y a des femmes qui sont faites pour ça. Il y a des femmes qui sont faites pour ça. Donc il va, il paye et puis il passe à l'acte. Parce que si tu veux aller véritablement aboutir à quelque chose de potable, tu n'as pas véritablement m'imposer toi ce que tes vues sexuelles. Parce que l'abstinence même, je me dis, c'est maîtriser ses sens. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à s'abstenir. Mais avec l'appui de Dieu, on peut véritablement arriver à cela. Alors Désiré, pourquoi les jeunes veulent tout de suite avoir une petite amie dans la vie? Alors tout en sachant qu'il y a pas mal de difficultés qui vont faire que généralement, ils ne peuvent pas suivre cette abstinence-là jusqu'au mariage. Ou bien, dans le cas contraire, d'autres également tiennent jusqu'au mariage. Bon, selon moi d'abord, je pourrais dire qu'on a tendance à dire que la nature a horreur du vide. Ah. Parce que, bon, on est là, déjà, quand on a 16 ans déjà, ta maman va te dire, ah, moi, j'ai un chéri, c'est comme ça. Chaque samedi, on sort, on va au glacier, c'est comme ça. Les dimanches, on va à la plage. Et c'est comme ça qu'on dit tant de filles. Hein? Voilà, c'est comme ça. Allez. Maintenant, toi, parmi tes camarades, tu es là, comme on le dit, tu es solo. Tu es seul, tu te sens seul, tu n'as pas de chéri. Mais il y a la Bible, pourquoi tu ne lis pas la Bible? Voilà, je lis la Bible. Mais c'est ça, quand tu as de mauvaises fréquentations, ou bien à l'école, les causeries, ou bien, je sais pas, à la maison, tu as des soeurs, elles n'en parlent, mais toi, tu es là, tu sais que tu n'en as pas. Donc, tu veux tester aussi pour voir. D'accord. Voilà. Est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons envisagent l'acte sexuel de la même manière, Sambo? Pas vraiment. Dommage, nous n'avons pas un homme parmi nous. Je suis très bien encadré.
Voilà, donc la question. Pas vraiment. Pour l'homme, lui, quand il vient vers la femme. Non, chez la femme. D'accord. Chez la femme, elle peut attendre. Mm-hmm. Elle est capable de patienter. Mm-hmm. Entre-temps, l'homme, quand il est là, après un mois, même si tu ne lui as pas donné, si vous avez commencé la relation, ça fait à peine un mois. Si vous n'êtes pas passé à l'acte, bah, il commence à faire bizarre, il commence à te bouder, tout ça. Oui, ça peut arriver loin. La relation peut arriver loin, mais il faut lui donner. Lui, il veut. Entre-temps, la fille, si elle a eu bon, elle va prendre, comme on dit, la petite viande en mangeant. Si elle a eu, oui. Ils vont faire, ils vont passer à l'acte. Mais elle peut attendre. Donc, l'homme et le jeune homme et la jeune fille ne voient pas le rapport sexuel de la même manière. Mireille Samara, c'est votre cas également. Vous patientez ou bien tout de suite vous dites, ben, j'ai confiance en lui, puis on passe à l'acte. Pas du tout. Selon moi, vous avez posé la question, vous avez demandé si c'est pareil chez la femme. Chez la femme, envisage l'acte sexuel. Comme elle a dit, c'est, l'homme, il est impatient. Par contre, la femme, elle peut patienter. Une femme qui désire faire du sérieux avec un homme, elle apprend à mieux le connaître avant de se livrer à l'acte sexuel, comme je l'ai dit. D'accord. Donc, c'est, par contre, l'homme, lui, il s'est dit qu'il veut découvrir la femme dans toute sa splendeur avant de se décider ou avant de prendre une quelconque décision. Mais comme je l'ai dit auparavant, on peut toujours décider de pratiquer l'abstinence sexuelle avant le mariage d'un commun accord. Okay. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Moi, je connais certaines filles, par exemple, qui, à 24 ans, elles sont vierges. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'amis qui leur disent « Moi, j'ai un chéri, je vais au glacier, moi, je fais ci. » Mais c'est parce qu'elles ont décidé de le faire. Elles ont décidé de, d'être vierges et d'attendre l'homme qu'elles veulent avoir. Désiré Guessant, pourquoi c'est si vous allez ajouter quelque chose à ces derniers? Non, mais la question est la suivante. Pourquoi c'est si difficile de mettre, d'attendre, voilà, je veux dire, en tant que jeune, d'attendre de ne pas avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi on n'arrive pas véritablement, moi j'aimerais de comprendre, à véritablement maîtriser ce sens? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Selon moi, d'abord, chacun a ses réalités à la maison, dans sa famille, chacun a sa réalité. En fait, ça dépend de ton milieu de vie, en fait. Tu peux être dans une famille où on prend bien soin de toi. Bon, papa est là, maman est là, on te donne de bons conseils, c'est comme ça, tout est rose. Il y a des personnes aussi qui sont livrées à elles-mêmes. Voilà, souvent là, c'est pas forcément que... C'est pas... Je sais pas... Les relations sexuelles là, c'est pas forcément l'amour. Il y a des filles, bon... Je suis là, je suis livrée à moi-même, je dois payer mes coûts moi-même, bon, je dois louer ma maison moi-même, tout ça et tout ça. Donc, directement, quand un gars vient, tu sais qu'il peut s'occuper de toi. Tout ce qu'il te demande là, tu cèdes. Même si au fond de toi, tu ne veux pas. Même si tu n'as pas souhaité donner ta virginité à quelqu'un qui n'est pas ton mari. Les situations vont te pousser. Même si, on peut dire quoi, si tu veux, quand tu peux, tu veux. C'est-à-dire que d'autres vont dire que mais pourquoi ne pas entreprendre, pourquoi ne pas demander à quelqu'un de t'aider pour entreprendre. Actuellement là, quand c'est dit la vérité, c'est difficile. Voilà. Monsieur Poti, excusez-moi, moi je pense que ça, ça sort dans le cadre des relations sexuelles avant le mariage. Ça, c'est pas une relation où la jeune fille se dit je vais aller au mariage, mais elle le fait. Le matériel, elle n'est pas en cheminement avec un homme. Mais elle a envie de trouver quelqu'un dans sa vie, mais situation oblige et le monsieur il vient, bon voilà, il a le matériel et puis elle se dit, ben voilà, je vais lui donner un tout petit peu. Oui, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Souvent, elle, sa logique, c'est pas une relation pour aboutir au mariage. Oui. Parce que si c'est une relation pour aboutir au mariage, c'est d'un commun accord. Quand tu aimes une personne, forcément, tu vas aider cette personne-là. Et quand tu veux marier une personne, vous vous asseyez pour débattre de comment cheminer. Donc, moi, je pense que cette logique-là, c'est pour les jeunes filles qui sont avec un homme, par exemple, avec les hommes, par exemple, pour le matériel. Là, comme on parle de relation sexuelle, on parle de sexualité, donc ça, allez juste prendre un tout petit exemple, même si ça n'a rien à voir. Alors, présidente, Non, moi, je vais sortir carrément de son cadre parce que... D'accord, sortez, nous sommes là pour vous. Je pense que c'est un problème sociétal. Hein. Voilà, il y a l'univers médiatique qui nous agresse visuellement. Et puis, il y a les fréquentations aussi qui font que, bon, nos enfants... Il y a ce qu'il nous montre à la maison, il y a la facette de la maison et il y a la facette du dehors. C'est-à-dire qu'il joue à double jeu.
à la maison, il va te montrer un visage d'ange. Voilà. Mais au sorti de la maison, tu ne peux pas contrôler l'enfant toute la journée. Tu ne sais pas, connais pas ses fréquentations. Et il y a aussi, on a l'air du numérique. D'accord. Et le numérique aussi fait aussi son travail. Voilà, tu ne peux pas toujours contrôler l'enfant. Il y a ce qu'il fait à la maison et il y a ce qu'il fait au dehors. Tout si bien que c'est vrai que l'enfant va te donner un visage d'ange à la maison, mais au dehors, tu ne reconnais pas ton enfant. Nathalie Sombo, je veux dire, vous allez enchaîner rapidement. Mon chéri, ce qu'elle a dit, c'est pour dire qu'il y a également les médias, mais tout est fait de sorte à ce que toi-même, jeune, tu as envie d'avoir une petite amie, tu as envie d'avoir un petit ami. À côté des établissements scolaires, il y a des maquis. À côté même des établissements, églises et autres, il y a aussi des maquis. Donc, quand tu vois la télévision, les réseaux sociaux et tout ça, tu as envie de faire comme. Nous tous, on a pratiquement des idoles. Voilà, on veut recopier. Il y a des idoles qui sont jeunes. Il y a des stars qui sont jeunes. Moi, j'ai envie de faire comme, par exemple, je ne sais pas moi, quel. Tu rêves d'avoir un mec comme, Didier Drogba, tu rêves d'avoir un mec comme ton fils, enfin bref, qui a de l'argent, qui prenne soin de toi, c'est cela? Oui, on peut dire cela. Je veux dire que tout est fait même, tout est fait de sorte à ce que, de t'attirer dans cette histoire de « je veux avoir mon petit ami ». Parce que quand tu n'as pas ton petit ami, tu n'as pas une petite amie, on dit que tu es gaou. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis jeunes, vous suivez Jeunes et Cartons sur le thème « L'abstinence chez les jeunes avant le mariage » pour en débattre. Je suis avec à ma gauche Drama Nathalie, présidente de l'Association des femmes catholiques de la paroisse de Sainte-Bernadette de Macquarie-Est. À côté d'elle, Mireille Sama, membre du renouveau charismatique de la paroisse Saint-André de Pougon. À ma droite, j'ai encore deux belles demoiselles, Désirée Nguessan, membre du cœur du renouveau charismatique de la paroisse Sainte-Thérèse de Macquarie, et bien sûr, Nadège Sombo, membre du cœur du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. De Vridi, cité présidente, pourquoi les jeunes aiment le sexe comme ça? Par votre expérience, pourquoi ils aiment le sexe comme ça? Bon, c'est de leur temps. Ah bon? C'est de leur temps. Comme je le disais tantôt, nous sommes à l'heure du numéro. Avant, quand ça s'est passé? Non, c'était les lettres. D'accord. Les lettres, il ne peut même pas te parler, même. C'est par personne interposée, il t'écrit une lettre là. Avant même qu'il ne lui dise oui, mais peut-être qu'il va attendre peut-être à la fin de l'année. Aujourd'hui là, comme il le dit, c'est chap-chap. Alors, désolé, également, pourquoi les jeunes, ça donne autant au sexe? Bon, comme Selon vous, hein, selon vous? Selon moi, comme je l'avais déjà dit, bon, il y a plusieurs, chacun a sa réalité, chacun a son domaine de vie, chacun aussi a ses objectifs, chacun a ses idoles, comme elle a dit. Donc tout ça assemblé, ça fait que ça donne explosif. Voilà. Voilà. Donc dans une relation, même si l'homme vient vers toi, que tu n'as pas forcément l'idée de partir directement au sexe avec lui, il va venir te prouver par tous les moyens qu'il t'aime. Mais il a besoin que vous passiez à ça d'abord avant de franchir d'autres étapes. Donc toi, tu te dis qu'il t'a mis en confiance. Tu te dis que ah, peut-être si je cède là, on va partir jusqu'au mariage. Peut-être si je cède là, je vais pouvoir le retenir. On va aller ensemble jusqu'au mariage. Bon, il y a plusieurs cas. Bien, ça va. Merci. Je parle de... Moi, je vais partir d'une généralité. Lorsque deux personnes, par exemple, sont ensemble, moi, je parle de deux personnes parce que le mariage, c'est deux personnes. D'accord. Tu désires la femme, par exemple, pour le mariage, parce que tu veux faire de ton épouse. Et donc, si tu privilégies le sexe, et lorsque, dans le foyer, lorsque par exemple vous serez marié et que cette dame-là n'aura pas, peut-être elle arrivera au moment où elle ne pourra pas te donner le sexe, qu'est-ce que tu feras? Mais qu'est-ce que tu feras? Parce que est-ce qu'elle va te dégoûter? Est-ce que tu n'auras plus envie de garder cette femme-là chez toi? Parce qu'au début de votre relation, vous avez privilégié le sexe. Or, si vous partez sur la base de « on apprend à se connaître », c'est-à-dire sans le sexe est secondaire, sans le sexe, on apprend à se connaître parce qu'on n'a pas privilégié le sexe. Lorsque l'autre est loin de moi, j'ai ce désir-là de vouloir voir cette personne, de vouloir vivre avec cette personne. Demain, si cette dernière est malade,
je ne vais pas la blâmer, bien au contraire, je vais prendre soin d'elle. C'est vrai, les médecins ont dit qu'elle ne peut plus avoir de rapport sexuel. Ce n'est pas pour autant que je vais la renvoyer chez ses parents, mais parce que c'est la personne que j'aime. Ce n'est pas le sexe que j'aime, c'est la personne en tant que telle. Aujourd'hui, nous voyons nos grands-parents qui vivent ensemble après 80 années de relation. Ils sont toujours ensemble, mais est-ce qu'ils se donnent aux actes sexuels? On ne sait pas, parce que ils sont restés ensemble, parce que ils se sont préférés d'abord, ils ont privilégié la personne avant de privilégier le sexe. Moi, je ne dis pas que c'est mon expérience, mais je pense que ce serait la meilleure pratique de pouvoir toujours privilégier, d'apprendre à se connaître avant de se donner au sexe. Le sexe doit être secondaire. Pour moi, c'est comme ça. Alors, Miss Sambo, vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire ou bien vous voulez ajouter quelque chose à ça? Reprenez la question, s'il vous plaît. En fait, c'est à vous demander pourquoi est-ce que la jeune aime tant le sexe. Donc, elle a essayé de dire un mot. Ce que je voulais dire, j'ai déjà dit, c'est que pourquoi ils aiment le sexe? Déjà, quand tu sors, tu vois une fille, elle est habillée, sexy. Comme vous d'ailleurs. Et j'apprécie, voilà. Merci. Tu vois une fille, elle est habillée sexy, donc tu es jeune. C'est ça. Tu as tous tes sens qui fonctionnent bien. Et puis, tu as une image vertigineuse. Donc, tu as envie de voir ce qui se cache en bas, même si elle a déjà presque tout montré, mais tu as envie d'aller en profondeur. C'est cela. Voilà. Et à ce coup-ci, on voit à la télé. Maintenant, dans les films, tu t'assois au salon avec ton parent. Vous pouvez regarder un film où les gens passent à l'acte. Ton papa ne va pas te chasser. Enfin, il y a des familles comme ça, on ne va plus te chasser parce qu'on se dit que le sexe n'est plus tabou. Donc, si on est en train de regarder un film et que dedans il y a des scènes pornographiques, on regarde ensemble. On va pas. Entre-temps, avant, moi je ne suis pas d'avant, mais je sais qu'avant, tu ne peux pas t'asseoir avec ton parent pour regarder. Ça, c'est clair. Ce n'est pas possible. Quand toi-même tu vois, tu commences à sortir ou bien tu te fermes les yeux. Mais actuellement, là, vous regardez jusqu'à la fin. Donc, il y a tout ça qui pousse le jeune à aimer le sexe. Alors, Mireille disait tantôt que c'est mieux de se connaître, de vivre l'abstinence. On va parler tout à l'heure des chastités hautes, selon l'Église, de vivre un peu l'abstinence. Mais est-ce que le fait d'avoir aussi des rapports avec son homme n'est pas une preuve d'amour? Si, c'est une preuve d'amour, parce que c'est pas que je soutiens forcément cela, mais il y a des relations où ils ont eu le sexe à volonté et puis ils s'est abouti au mariage. Tout à fait. Voilà. Donc, l'abstinence ou bien la non-abstinence, ça peut être... Ça mais dépend pas de forcément une garantie. Voilà, voilà, c'est pas forcément une garantie. Vous êtes en train de faire l'abstinence et derrière lui, il ferme, derrière, elle est faite. Attends, vous dites que c'est vous ça. Pratiquez l'abstinence. Ça. Chacun fait de son côté, mais vous deux, vous ne faites pas ensemble. Monsieur Petit, excusez-moi, je n'ai pas, forcément dit qu'il faut que ça doit être obligatoire. Moi, je veux dire, en fait, c'est une décision à prendre à deux. D'accord. Parce que lorsque on voit à l'église, même lorsque vous devez vous marier, vous faites un cheminement, vous partez chez le prêtre, on vous donne des enseignements. C'est une décision qu'on s'assoit pour prendre. Ça peut venir de l'homme ou de la femme. Il peut te dire, moi, je veux qu'on soit, on s'abstienne jusqu'au mariage. C'est pas pour dire que le monsieur, il est puceau, bien la femme, elle est vierge. Non, c'est pour dire que c'est vrai, on a vécu, on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais aujourd'hui, dans cette relation-là, nous, on privilégie la connaissance, c'est-à-dire on apprend à se connaître. Le sexe, là, on laisse ça en secondaire. D'accord. Présidente, les avis sont mitigés, sont partagés. Par votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je peux dire, bon, je rejoins un peu Mireille dans sa logique parce que nous, on est de la génération intermédiaire, là, donc on a été éduqués dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu as le petit ami là, c'est-à-dire, tu n'as jamais donné même des bises, même, mais c'est ton couple, c'est ton petit chéri. Vous vous écrivez des lettres jusqu'à ce que un jour, ils te disent qu'ils vont voir tes parents pour venir demander ta main. C'était pas le passé. Voilà, pas le passé. Mais aujourd'hui, l'amour, c'est à deux. Et c'est de façon commune qu'on peut prendre les décisions. D'accord. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin parce que c'est parce que tu veux de moi qu'on chemine. Toi, tu vas te lever un matin, tu dis non, toi, tu as envie de faire l'amour.
Alors, Désiré, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, est-ce que ces jeunes ne sont pas victimes de chantage, entre guillemets, de la part de l'un ou l'autre de leur partenaire? Bon, selon moi, c'est les filles, bon, c'est les filles même qui sont victimes. Mais nous aussi, nous sommes victimes. Du chantage. En majorité, ce sont les filles qui sont victimes de chantage. Les plus exposées. Parce que, voilà. Parce qu'il va venir vers toi. Bon, il va dire, bon, moi, je peux t'aider à faire ça. Je peux faire ça. C'est vrai, on s'aime. Tu as tes projets, je peux t'aider à réaliser tes projets. Mais avant, moi, je ne peux pas savoir. Si tu veux me prouver vraiment, réellement ton amour, là, il faudrait que tu cèdes. Si tu ne cèdes pas, il va dire quoi? C'est qu'elle ne m'aime pas. Elle est là pour mes biens, pour mon argent, mais elle ne m'aime pas en réalité. Si elle m'aimait vraiment, elle allait passer à l'acte. De nos jours, là, c'est comme ça qu'il pense. Mais est-ce que tu es obligé d'accepter? Voilà, on n'a pas dit qu'on est obligé d'accepter, mais ça dépend, c'est, voilà pourquoi j'ai dit au début que ça dépend du milieu, ça dépend du milieu dans lequel tu te trouves. C'est milieu, c'est environnemental. Voilà, voilà. Si tu n'as pas un milieu sain, tu ne pourras pas, tu vas céder. Si tu as un milieu sain, c'est-à-dire qu'à la maison, il y a une vie de prière, maman te donne les conseils, papa est là, te donne les conseils, tes frères, tes soeurs, bon, tu ne pourras pas céder. Tu as te dit que bon, il y a déjà des gens qui me soutiennent. Bon, oh, généralement, ce sont ces femmes-là qui cèdent le plus. Hein. C'est cela. Maman, maman et papa, oui, aujourd'hui. Bon, selon moi, je pense que c'est... Maman, papa est là, donc voilà, ils vont m'aider, bon. Si ce ne sont pas les fêtes. Alors, Nadège, vous voulez répondre rapidement? Oui, je voulais dire que les personnes qui sont les plus exposées, ce sont les femmes, les jeunes femmes. Parce que l'homme va dire, n'achète pas poisson qui est dans l'eau. Voilà. Nous, on va décider de pratiquer l'abstinence, d'accord, mais il va dire, vous goûtez un peu. Parce que tu vas faire abstinence. Vous êtes connus. Peut-être toi, tu as déjà eu tes expériences et lui aussi. Vous décidez de vous mettre ensemble. Tu n'as jamais goûté. Tu achètes poisson qui est dans l'eau. Parce que si tu prends ça pour aller jusqu'au mariage, tu ne sais pas à quoi tu feras face. Mais justement, monsieur petit, il faut tester. Tester le produit. Tout à fait. Lorsque j'ai reçu le sujet, j'étais là et puis j'étais sur ma thèse. D'accord. Tu comprends? Et je t'ai dit, mais en même temps, c'est-à-dire tu opposes quelqu'un, tu ne le connais pas. C'est-à-dire sur le plan sexuel, tu ne sais pas à quoi t'attends de mariage. C'est ça. Mais tu sais, c'est faux. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes mieux connu, vous êtes allé au mariage, arrivez là-bas, si vous êtes fait l'un pour l'autre, si votre relation est basée sur la parole de Dieu, si vous avez suivi le cheminement comme ce faux, si vous êtes bien suivi par un prêtre, je pense qu'arrivé là-bas, chacun va dicter sa manière de faire l'amour. Chacun va dire, voici ce que moi je préfère qu'on en lit. Si cet homme les t'aime vraiment, si cette femme les t'aime vraiment, ça va marcher. Mais il ne s'agit pas de cela. Non, mais quand je dis ça, il ne s'agit pas de là-bas parce que tu ne sais pas à quoi t'attends au lit. Elle aussi, mon père, ne sait pas à quoi s'attendre. Je peux te retrouver avec un homme en puissant. Justement, avec un homme, tu fais comme un homme, tu vas jamais marier. Vous pouvez faire le sexe aujourd'hui, et puis demain il sera impuissant. Au moins, tu sais que tu l'as connu viril. Oui, mais justement, si vous êtes arrivé au mariage et qu'il est impuissant dans le mariage là, à toi maintenant de fléchir genoux, à toi maintenant de te lever pour qu'il soit puissant maintenant. Ça là, c'est pas tout le monde qui a atteint ce level là. C'est pas voilà possible. Pourquoi, voilà pourquoi on dit qu'il est préférable de se connaître au moins une fois après. Voilà, tu sais, une fois, tu peux te dire que vous êtes on doit goûter un peu parce que vos différentes lettres d'avant, c'est terminé ça. On n'a pas dit qu'on est pour, mais de nos jours, avec tout ce qui se passe là, maintenant tu te lèves, on se lève, on dit, ah lui, il est mort, ou bien le petit là, il a insuffisant. Tu ne sais pas, avec tout ce qu'on consomme, tout ce qui se passe dans ce monde là, maintenant là, au moins une fois avant d'aller au mariage. Là, au moins, arrivé au mariage, tu sais que avant de rentrer, c'est la sexualité garantie le mariage. Justement, on n'a pas garanti le mariage. Parce que tu peux goûter aujourd'hui, c'est bon, et puis demain, ça ne sera pas bon. Voilà, au moins si tu as fait fléchir genoux. Voilà, tu te vois là-bas maintenant que c'est pas bon. Tu fléchis genoux maintenant. Qu'est-ce qu'il dit que. Je prends un cas banal. Aujourd'hui, vous rencontrez une personne. Il est beau, il a tous ses sens au complet. Et demain, vous voyez que cette personne a fait un accident, il est invalide. C'est-à-dire, là, maintenant, là, en fait, tu
tu aimes pas, et puis tu fais. Si tu n'aimes pas, tu peux pas faire. Mais justement, quand tu aimes la personne, c'est que tu as connu la personne en bonne santé, parce que tu aimes, si il arrive que la personne a eu un accident, tu l'aimes comme ça, tu la prends comme ça. Dans le mariage, quand tu aimes vraiment, même si tu as découvert que cette personne-là est infime, c'est-à-dire ne fonctionne pas, je pense que là, tu peux fléchir genoux, ou là, tu peux trouver les remèdes pour qu'il fonctionne. Si tu ne pas, tu l'aimes vraiment. Et si tu ne dis pas qu'il est impuissant? Mais justement, vous êtes déjà unis. On va bien sûr calmer le jeu. Je sais que c'est très passionnant. Vous êtes également passionné sur ce très beau thème qui est l'abstinence chez les jeunes avant le mariage. Quand tu allais tester le produit, je sais que les jeunes sont contents. Oui, il faut tester. Alors, il y a pourtant des jeunes qui sont sans religion et qui ont des valeurs. Comment se fait-il que c'est si difficile de, voilà, ils arrivent quand même à s'abstenir, à se contenir, alors qu'ils ne sont pas à l'église, ils n'ont aucune religion, mais ils arrivent quand même à respecter leur religion? Bon, je pense que pour ces jeunes-là, c'est dans le cadre familial. Hein. D'accord. C'est qu'il y a ce que la famille leur a imposé, c'est l'éducation familiale. Voilà, c'est une ligne de vie, c'est une conduite à tenir. Donc, je le dis avec la grâce de Dieu, on peut véritablement arriver à s'abstenir. D'où on parle de chasteté. Nadesson, pourquoi c'est si difficile pour les jeunes chrétiens catholiques, généralement, de pouvoir, de ne pas vouloir s'abstenir, voilà, jusqu'au mariage? Déjà, même chose. Vous êtes dans un environnement de l'église, je pense que... Mais moi, je pense que l'environnement ne peut pas avoir d'impact sur une personne. Au sein de l'église, hein? Non, aussi l'environnement peut agir. Non, l'environnement. Il y a des gens qui étaient dans des environnements malsains, mais qui se sont contenus. Justement, tu as ton éducation, ton comportement. Tu n'es pas obligé de copier. Si. Tu n'es pas obligé, mais ça dépend de. N'es pas obligé de copier. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personnalité. Et chacun a sa personnalité. Moi, c'est pas parce que tout le monde marche à gauche que je vais marcher à gauche. C'est pas parce que tout le monde est emporté par la vague que je vais rentrer dans cette vague-là. Oui. Donc, par moment, il faut véritablement avoir sa personnalité, puis avoir une force de caractère. Si je peux intervenir, c'est là que va intervenir, disons que la prière. Parce que si tu es dans un milieu malsain, que toi tu dis que non, moi je ne veux pas marcher comme eux, ils marchent. Voilà, c'est là que tu vas te mettre en prière pour ne pas faire comme les autres. Mais si tu es dans un milieu malsain, que tu n'as pas une vie de prière, forcément, tu vas. Mais justement, tu auras beau faire, mais forcément, tu vas céder. Voilà. C'est pas parce que les autres vont au mariage avec le sexe que toi, tu vas décider d'aller au mariage avec le sexe. Tu peux prier pour pratiquer la séance. Alors, Nadia Sombo, la sexualité est un sujet assez tabou dans des familles. Est-ce que généralement les parents en parlent avec leurs filles, leurs garçons, les membres de la famille, par votre expérience bien sûr? En Afrique, je dirais même qu'en Afrique, non, c'est pas récurrent. C'est même très rare de voir un parent dire à son fils je t'aime, ou bien à sa fille je t'aime. Pourtant, les parents aiment leurs enfants. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Viridicité. À Viridicité, vous ne voulez parler même pas de sexe. Pourquoi on parle de sexe? Mais tu as dit en famille, on parle de sexe. Pourquoi c'est difficile d'en parler? C'est la coutume, il y a la coutume et puis il y a les valeurs. Pourtant, le monde évolue. Dans certaines régions, dans certaines cultures, c'est tabou, c'est toujours tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Or, aujourd'hui, les médias sont là, il y a le numéro aussi qui est là. C'est-à-dire que ce que tu ne dis pas à ton fils à la maison, là, Internet va lui enseigner ça. Tout à fait. Ce que tu ne lui dis pas ensemble, là, pendant que tu es en train de dormir, là, lui, il allume la télévision et il est devant la télévision va lui enseigner cela. Il va s'éduquer sexuellement. Sexuellement. Parce qu'il y a tout. Voilà. Ok, mademoiselle, on va prendre une autre question. Et vous allez regarder vos différentes caméras et donner des conseils à tous ces jeunes, filles comme garçons, qui nous regardent, selon vous, votre inspiration. Regardez, en 30 secondes, vous donnez le conseil. Donc, je vais partir à ma droite avec, bien sûr, Désiré Nguessant. Désiré Nguessant, vous regardez bien la caméra et vos conseils concernant la jeune. Selon moi, dans une relation amoureuse, c'est-à-dire que tu es un homme, tu es une femme, vous vous mettez ensemble, vous vous aimez. Bon, c'est vrai, maintenant là, dans toutes les relations, c'est la sexualité qui est au devant de nos jours là. Mais quand on se dit jeune chrétien, je suis croix catholique,
je suis baptisée, confirmée. Ça veut dire que j'ai reçu des cours de catéchèse. De surcroît, je suis dans un groupe de prière ou bien dans un mouvement. C'est-à-dire que là-bas encore, on m'enseigne. Je suis dans une famille catholique. C'est-à-dire qu'à la maison, mes parents me donnent des conseils. Tout cela doit me forger, doit m'amener à ne pas céder. C'est-à-dire que je peux être dans une relation amoureuse et puis amener mon amoureux à ne pas partir au sexe, à ne pas aller au sexe tout de suite. C'est-à-dire qu'on peut faire un an, on est ensemble, sans aller au sexe. Maintenant, après les un an, on peut décider de venir se marier ou bien de venir faire la dot. Maintenant, bon, chez nous, on dit après la dot, vous pouvez partir. Après la dot, vous pouvez vous mettre ensemble. Parce qu'après la dot, vous pouvez habiter ensemble et ensuite aller au mariage. Donc, ne pas mettre la sexualité au devant des relations pour ne pas aller aux dépressions. Parce que maintenant, il y a des gens qui vont jusqu'à se suicider et tout ça. Ok, merci beaucoup Désirée Nguesson. Nadia Chambo, c'est à vous également de donner les conseils. Alors, mon conseil que je veux donner à nos jeunes, c'est de ne pas privilégier le sexe. C'est vrai que c'est doux parce qu'on parle d'abstinence. Qui n'est pas d'abstinence dit que tu as déjà goûté, tu as déjà fait. Donc, de ne pas privilégier le sexe, ça évite aussi les gourmets. Parce que quand tu te dis que tu as donné le sexe à quelqu'un et puis aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, ça fait encore plus mal. Voilà, donc de ne pas privilégier le sexe, de mettre la prière au devant. Voilà. Mary Sama, qui prépare également sa thèse, va donner des conseils à tous ces jeunes qui la regardent. Merci. Moi, ce que je peux dire à mes frères et sœurs catholiques, chrétiens catholiques, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre de cheminer ensemble, apprendre à se connaître avant d'aller au sexe. Parce que le mariage, c'est un lien très fort. Et le sexe aussi, c'est très sacré. Le sexe, généralement, à la base, c'est dans le mariage que ça doit être pratiqué. Parce que ça fait partie du sacrement, si je peux m'exprimer ainsi, du mariage. Et le sexe avant le mariage, moi, je ne blâme pas les personnes qui ont eu à recourir à cette méthode-là. Néanmoins, je demande à ceux qui peuvent encore pratiquer l'abstinence avant le mariage de le faire, d'apprendre à se connaître, d'aller au mariage. Et une fois dans le mariage, ils pourront ainsi goûter à la chose, ils pourront ainsi se livrer au sexe et pas surmonter les épreuves après le sexe. Parce que nous regardons aujourd'hui, si par exemple... vous vieillissez ensemble et que ta femme ne peut plus te donner le sexe, je pense que si tu as un gros sexe, celle-là, tu vas l'abandonner. Et ça, je pense que Dieu n'aime pas ça. Notre chère présidente, un drama, Nathalie, vous je avez... Je pense qu'elles ont fait le tour. Elles ont fait le tour. Bon, je vais être bref. Je pense qu'au vu aussi de tout ce qui vient de se dire, c'est vrai que le sexe, il y a plaisir dedans, mais il n'y a pas salut dedans. D'accord. Vous suivez toujours Jeunes et Cato sur le thème « L'abstinence chez les jeunes ». Avant, bien sûr, le mariage, nous allons continuer notre débat, notre discussion, notre échange avec une autre question à vous, présidente. Que dit l'Église concernant l'abstinence avant le mariage? Que dit l'Église? C'est la chasteté, c'est l'abstinence, c'est autre chose? Que dit l'Église? C'est la chasteté jusqu'au mariage. La chasteté, c'est ce qui signifie? Être, c'est s'abstenir du sexe. S'abstenir du sexe? Oui, oui. C'est ce que dit l'Église? C'est ce que dit l'Église. D'accord. Et cette abstinence, elle est biblique? Oui, elle est biblique. Elle est biblique. Elle est biblique. D'accord. Pourquoi imposer cette pratique aux jeunes qui aspirent au mariage, présidente? Parce que c'est pour ne pas avoir des rapports débridés, des sexualités non contrôlées et véritablement d'être ancré dans la parole de Dieu pour arriver jusqu'au mariage. Alors, Désirée, ce que la présidente a dit, selon l'Église, il faut vivre la chasteté pour vraiment entrer dans cette ligne droite-là avant le mariage. Oui, je crois qu'elle a déjà tout dit, mais comme je dois parler, c'est vrai, c'est la chasteté. L'Église conseille la chasteté jusqu'au mariage pour ne pas, après, comme j'ai dit, aller aux dépressions ou bien aux gourmets, comme on le dit, et puis, bon, ramasser de sales affaires comme des maladies, comme le sida, tout ça et tout ça. Bon. Alors, Miss Ambo. Alors là, je la rejoins maintenant pour dire que... C'est maintenant que vous la rejoignez? Oui. C'est maintenant que je la rejoins. Merci. La chasteté jusqu'au mariage, apprendre à se connaître. Comme ça, si la grossesse, par exemple, dure 9 mois, c'est vrai qu'on demande au couple d'avoir toujours des rapports, mais arrivé à un moment, ça stoppe. Comment tu fais? Donc, c'est pour apprendre à surmonter cela. Si ton partenaire n'est pas à mesure de te donner du sexe sur une période donnée ou même définitivement, tu dois continuer à aimer cette personne-là. Donc, la chasteté vous emmène à cela.
D'accord. Voilà, vous vous connaissez mieux, vous apprenez à vous connaître. Comme il y a un prêtre qui aime à le dire, le sexe, si ça a trop duré, c'est... La journée fait 24 heures. Le sexe, si ça a trop duré, même si vous avez fait le sexe 2 heures ou bien 4 heures, et le reste du temps, qu'est-ce que vous en faites? Donc, dans la relation, dans une relation, il n'y a pas que le sexe. C'est pour dire cela, en fait. Il n'y a pas que le sexe. Le reste du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous devez être partenaire. Vous devez être ami. Vous devez être complice. Voilà. D'accord, Mireille, ça va? Merci. Elle a tout dit. Non, elle a cette conclu. Fois-ci, vous êtes d'accord. Oui, nous voilà. Sommes d'accord. Néanmoins, je dis, l'Église catholique nous enseigne la chasteté jusqu'au mariage. C'est pour que le mariage soit basé sur la parole du Seigneur et invoquer le nom de Dieu à chaque fois que ça ne va pas dans le mariage. Lorsque Dieu est dans ton affaire, il n'y a pas goumé. Vous avez tenu la parole. Y a-t-il des inconvénients puisqu'on vit la chasteté, on vit l'abstinence? Mais elle a si bien dit, dans l'un de ses exemples, après on découvre que le monsieur, il est stérile. C'est ça les inconvénients. Est-ce que ça ne pose pas problème? Y a-t-il des inconvénients? Je l'ai dit pendant que j'étais en train de... Pendant mon discours, je l'ai dit. Lorsque vous pratiquez l'abstinence, la chasteté avant le mariage, et que pendant le mariage, il se trouve que le monsieur, il est impuissant, c'est ça? Je pense qu'avec la prière, on arrive à déplacer des montagnes. Et si vous vous aimez comme la parole de Dieu le dit, je pense que vous pourrez surmonter cette tempête-là par la prière et aussi par... Nous avons des médecins qui arrivent à guérir ça. Donc, tant qu'il y a l'amour... Mais ces jeunes également sont suivis, hein, par... Oui, par un prêtre, parce que c'est... Tout est psychologique, en fait. Tout est dans la tête. Quand tu aimes une personne, tu es prêt à tout pour cette personne. Mais quand tu n'aimes pas une personne, tu vois, l'homme, il est impuissant, mais tu plus bagage, tu t'en vas. Mais tu aimes cette personne, tu dis, c'est lui, moi, je veux. Aujourd'hui, on voit des filles qui vont contre la parole de leurs parents parce qu'elles aiment leur homme. On te dit, le monsieur, là, il est impuissant. Elle dit, c'est lui, moi, je veux. Et elle va fléchir genoux, le monsieur, là, il sera puissant au nom de Jésus. Présente. Elles ont tout dit. Ne vous n'agitez pas. Que puis-je ajouter à ce qu'elles ont déjà dit? Oui, c'est ce genre d'inconvénients-là. C'est à ce genre d'inconvénients-là qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez vécu à travers vos amis, votre famille, ce genre d'exemple qu'elle vient de citer? Oui, j'ai des connaissances. Dites-nous, on a envie de savoir. Bon, le gars, lui, savait déjà, il connaissait le problème de sa partenaire. De sa partenaire, oui. Voilà, elle est atteinte du cancer. Wow. Oui, du cancer du sein. Voilà, mais il a quand même décidé d'aller avec elle, de cheminer avec elle. Ils se sont mariés, tous ils vivent ensemble. Elle n'a pas caché, puisque lui, il le savait déjà. Ils vivent ensemble, seulement qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Mais bon, par la grâce de Dieu, peut-être qu'ils en auront. Voilà. Alors, Désiré, également, vous avez une expérience à nous raconter ou simplement donner quelques explications? Bon, j'ai connu un cas comme ça. Bon, dans le cas de... le garçon, il était impuissant. La fille, elle était vierge. Bon, lui s'est dit quoi? Comme elle est vierge, elle n'a jamais eu d'expérience, donc elle ne va pas savoir ce que c'est que l'impuissance. Elle va pas... Bon, c'est là aussi qu'a été son erreur. Parce qu'elle, à la première fois... Elle a vu que, d'amener que ses camarades expliquaient, là, c'était pas comme ça. Donc, comme ça, elle est venue, elle a demandé, elle a expliqué. C'est là, on lui a dit, non, c'est que le gars, il est impuissant. Donc, à chaque fois, elle allait, elle lui demandait, elle dit, non, tes camarades, elles ne savent pas, c'est comme ça, chaque garçon a sa manière de faire, c'est comme ça, c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il cède, parce qu'elle a vu ses médicaments. Il lui a dit, non, c'est maintenant que je cède. Avant, je n'étais pas comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est sur toi, là, je suis devenue comme ça. Donc, il faut m'aider à me traiter. Voilà, quand c'est comme ça, là, ça déjà même ça casse le moral. Et puis, même si tu aimais la personne, là, l'amour va, je sais pas, ça diminue du coup, tu es découragé. Présente. Bon, où il y a eu des cas de oui, de beaucoup d'entre voilà, surtout dans le mariage, parce qu'on constate également qu'il y a pas mal de... Bon, de, ce divorce. Sont les aléas du mariage, hein, parce oui. Que, bon, c'est, quand il y a cheminement, vous ne vous connaissez pas. Et il y a des gens qui sont, de façon insidieuse, ne disent pas la vérité. Mais pourquoi?
Voilà, bon, bon, c'est leur nature qui ne disent pas la vérité. Et après que le mariage soit fait, après que le mariage soit fait, il y a, on découvre certaines beaucoup d'anomalies. Il y a des effets collatéraux, comme je peux, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, quand c'est comme ça, ça peut véritablement casser le mariage. Et récemment, vous avez vécu également à travers vos connaissances, amis, famille, peut-être une expérience telle qu'elle a expliqué également. Moi, pas du tout. J'ai jamais eu de témoignage dans ce sens. Je pensais que ça devait faire l'objet d'une thèse, cette expérience. Non, pas du tout. J'ai jamais vécu ça. J'ai pas encore eu un proche qui m'a parlé de ça. D'accord. Merci. Vous suivez toujours Jeune et Kiato. Juste sommes avec Drama Nathalie, présidente de l'Association des femmes catholiques de la paroisse de Sainte-Bernadette de Macorie, avec qui nous discutons sur ce très beau thème, l'abstinence chez les jeunes avant le mariage. À sa gauche, Mireille Sama, membre du renouveau charismatique de la paroisse Saint-André de Yopougon. À ma droite, Désiré Inguesson, membre du cœur du renouveau charismatique de la paroisse Sainte-Thérèse de Macorie. Et bien sûr, Nadège Sombo, membre du cœur du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridy-Suté. Mesdames, on va conclure. Juste un mot à tous les tables, un mot sur Jeune et Kiato, et ça sera fini. Alors, on y va, Désiré. Jeune et Kiato, l'émission, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une... Et en même temps, vous donnez votre mot d'effet. Ok, pour moi, je pense que c'est une belle initiative pour nous les jeunes, parce que bon, ça parle un peu de tout, comme aujourd'hui le sujet, c'est pas un sujet tabou, et en même temps, à l'appui de ce que dit l'Église, tout ça, pour moi, c'est une bonne émission, selon moi. Nadège Sombo, Jeune et Kiato, et votre mot de fin. Je dirais également que c'est une très bonne émission, c'est une très belle initiative. Alors j'invite tous les jeunes à vraiment suivre cette émission. Et aussi concernant le terme aujourd'hui, l'abstinence avant le mariage, j'invite également non jeunes, à nous abstenir. C'est vrai que c'est doux, oui, nous tous on sait que c'est doux. Mais pour éviter vraiment les dommages collatéraux, comme ma tata a eu à le dire, il faut s'abstenir, voire même il faut être chaste. Quand tu m'en parles, quand tu en vois parti. Mireille Sama, également, Jeune et Kiato, et votre conclusion. Quant à l'émission, je pense que c'est une très belle émission pour nos jeunes catholiques, parce qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir entre amis, entre jeunes, pour avoir ce genre de débat. Donc, on attend le prochain sujet. Et quant au sujet dont nous avons débattu tout à l'heure, je dirais à mes frères et sœurs chrétiens catholiques de ne pas se laisser impacter par leur environnement. Tu es vierge, tu décides d'être vierge jusqu'à ton mariage, fais-le, ne regarde personne. Tu décides de pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage, fais-le, ne regarde personne. Comme on le dit, le salut, il est personnel. Parce que ce que tu vas vivre dans ton mariage, c'est pour toi et ton mari. D'ailleurs, vous êtes avec plusieurs personnes, mais dedans, c'est toi et ton mari. Donc, si tu as décidé d'aller, de t'abstenir jusqu'au mariage, d'un commun accord, tu fais asseoir le monsieur, tu lui dis, voilà, moi, je veux marcher selon ma religion catholique qui me dit l'abstinence, la chasteté jusqu'au mariage. Le monsieur, il est d'accord, vous le faites. S'il n'est pas d'accord, prends sa main, allez-y voir le prêtre, il sera d'accord. Et mets Dieu au devant de toutes choses, parce que c'est lui qui bénit. Amen. Amen. Président. Bon, une belle émission. Expression jeune. Le micro. Une belle émission d'expression jeune, parce que c'est une lucarne qui s'ouvre à tous les jeunes pour véritablement dire ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Et puis bon, ce thème d'aujourd'hui est très révélateur, parce que aujourd'hui le sexe, ce n'est plus un sujet tabou. Donc c'est une belle émission, et que je pense que on peut véritablement
j'aimerais qu'on puisse véritablement avoir d'autres sujets sur la sexualité, parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'abstinence avant le mariage, mais d'autres thèmes pour qu'on puisse véritablement débattre, parce que la sexualité, c'est un peu plus large. Au nom de la rédaction, au nom de la direction, j'aimerais vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, un SMS, vous voyez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, vous envoyez juste un SMS et bien sûr nous allons vous appeler pour en débattre sur un sujet n'importe lequel. Amis jeunes, merci de nous avoir suivis et sachez qu'on ne doit son corps à personne avant que cette personne nous ait conduit devant le maître et l'autel du Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Jeunes 14, c'est terminé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur Tout-Puissant abonde ses grâces sur vous. Au revoir.